Donc je suis responsable de cuisine depuis, on va dire, 7 ans à peu près. J'ai un BEP et un CAP de cuisine, plus un BEP de comptabilité pour apprendre la gestion. Et j'ai tenu pendant 5 ans mon propre restaurant. Ce qui me plaît, ben, justement, c'est de faire de la vraie cuisine. C'est pas ouvrir des sachets, des boîtes, c'est travailler des produits bruts et travailler des producteurs locaux. C'est moi qui prépare les menus en amont. J'essaye d'avoir 4 semaines à peu près de menus. Donc je m'occupe aussi des commandes. Pour l'approvisionnement des produits, donc, je me sers à 80% donc, de la centrale d'achat. Je trouve que très bien achalandé et puis on peut bien discuter avec eux pour faire rajouter des produits. Pour le contact avec les lycéens, donc ça se passe très très bien. Je leur demande souvent oui, justement ce qu'ils pensent, ce qu'il faudrait améliorer, tout en respectant bien sûr, comme je leur dis, un équilibre. C'est vrai que moi je me régale dans mon boulot, c'est même pas un travail, c'est presque une passion. C'est une passion pour moi la cuisine parce que j'aime ce que je fais et travailler les produits. Donc moi j'encourage les gens à venir parce que vraiment je me fais plaisir. Pour le CIRA, c'était vraiment pour valoriser notre métier et faire découvrir aux gens ce qu'on sait faire. Quoi. Et de motiver justement des nouvelles recrues. Moi, je suis parti sur la quenelle poêlée avec un velouté de potimarron et éclat de châtaigne. Et on est parti aussi sur une crème brûlée au potimarron avec chantilly à la crème de nougat et éclat de châtaigne aussi. Avec Loïc Boutani, on a proposé une quenelle comme un éclair avec un guacamole et une truite fumée et des billes de yuzu. En dessert sucré, on a proposé un biscuit croquant à base de crème de nougat. Je pense que c'est une occasion de montrer un peu aux gens que d'une, dans les lycées en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est cuisiner sur place et qu'on a beaucoup de compétences et qu'on propose beaucoup de cuisine faite maison. L'importance, pour moi, elle est de montrer aux gens qui viennent nous voir, entre autres il y a quelques instants, des personnes qui nous demandent si c'est des choses qu'on fait dans nos établissements. Oui, on fait de la pâtisserie avec des œufs de la ferme, on fait nos pâtisseries salées, on cuisine maison. Et c'est important de montrer aux personnes qui viennent sur le stand qu'on fait de belles choses avec de bons produits. Et bien un retour déjà très surpris des choses qu'on leur a présentées. Et vraiment, les gens ont trouvé ça très bon. Et il y a eu beaucoup de retours positifs. Les gens ont même été surpris de la qualité de nos préparations. Et c'est vraiment, ça fait plaisir. On a été applaudis. Donc vraiment, je suis super content et j'ai hâte de revenir dans 2 ans. Tous les 2 ans, je reviens au CIRA sans problème. C'est un vrai plaisir.